Tout gens, si la bataille nous pouvons attaquer le tout. Parce que nous avons un gaz aspect négatif dans la mise en population. Maintenant, nous comptons, nous allons prendre en face du gouvernement ça pour nous battre avec lui, pour jusqu'à ce que nous tournions sur une décision. Guerline Morestin, Caraïbe FM. Saint-Pierre Guerline Morestin, c'est à pion décision contre la population. Si le gouvernement a augmenté prix gaz dans ce marché, hein, d'après l'Union nationale, l'Omalien haïtien au UNO, secrétaire général UNO a dénoncé démarche 5 qui visait à affaiblir masse défavorisée. Hein. José Mérélien, dans les populations, parées pour mobiliser contre éventuelle décision sale. T'es dans le micro, David Saint-Fort. Tout le en pile saisissement, nouvelle qui est annoncée par le pouvoir ça, que nous parlons augmenter prix gaz, augmenter et puis des garottes courants. Donc, ça qui me dit, augmenter misère population, augmenter massacre population, augmenter grand goule, augmenter chômage pour équipe si là, peuple pendant que vous assez, pas la misère assez. Donc, faut qu'il prenne des mesures pour fourrer la misère pire, puis plus. Vous pensez que ce n'est pas inacceptable. Tout le monde qui est dans ce guillot, je vous dis, vous souhaitez les frapper. Il faut, je vous dis, faut appel. Nous appel à la mobilisation générale pour nous mettre en réponse à Jovenel, en réponse à Lacontent, pour nous dire que dans le pays, pas des officiellement, des citoyens qui sont. Et tout citoyen, tout le monde qui est passé au bio, nous demandons, voyez celle dans le bio pour le camper. Ils ont invité toute force du pays qui comprennent la situation qui a développé la donne, qui la donne, et qui comprennent que je connais le mot avec la photo, c'est vous qui êtes là pour défendre un terrain exclusif, cyclique qu'il a, vous n'avez pas la passe là, un terrain mesquin, communauté mafia, contre l'intérêt de la population. Donc, qui est là pour casser la population. Pour entrer pour être tout vivant. Donc tout le monde qui va encore comprendre qui voit le job d'Elvin jouer là, bah, à partir de Messi qui le prend là, côté un budget criminel, côté bourgeois payer taxes, c'est balayé, il y a double et triple taxes sur yo. Nous gagnons dans le pays, professeur d'école, cap travail, combien de temps qui a touché. Au bon âge, non, cadet, qui c'est docteur, mais qui sont bien menti, qui a bien menti devant des pour la professeur, des situations de même genre. Nous gagnons ouvriers dans le factory qui demandent un salaire pour ne pas mourir grand goût. Nous avons des élèves qui sont là, oui, parce que le professeur, nous avons lycée La Saline, lycée du Vivier, lycée au plus de 5 ans, depuis 3 ans qui ont ça, pas de l'école, parce que les élèves, pas de professeur, nous avons grève. Nous avons des employés au HCTO qui ont grève depuis passé plus qu'un mois. Ils ont mobilisé, moi qui fais, et Jovenel, fait cadeau au HCT qui sont au ministère d'État. Qui ont fait d'accord côté avec privatisation ou visité, la vie pour nous payer assurance chaque mois, c'est pas chaque année encore, et comme ça, on va prendre le poche, nous allons dire à PASTA, on va dire qu'est-ce l'État. Non pas qu'à Chita, sur le gâteau, pendant toutes les mécampées, et nous avons fait un appel à la mobilisation pour nous faire une réponse. Et réponse à ce bail depuis 18 mai, dans le mouvement de mobilisation, mouvement 22 janvier, là c'est là, pour nous dire pays qui vous la donne, et que le pisse qui vous la donne, qui est bien fini, ça va être fait là, pas passé. Voilà, on t'a pas écouté déclaration José Mérélien, coordonnateur général UNO sous question gaz là qui les mêmes gouvernement qui a annoncé possibilité pour augmenter prix gaz là dans jour cap avini au gagnien en tout cas yo marche deux journées grève qui prévoit mais camp de travail qui prévoit au niveau secteur ouvrier hein, donc c'est plateforme syndicale usine textile qui eux même prévoit là, ils ont deux journées arrêt travail général. C'est lundi 22 et mardi 22 mai cap à Vélila dans toute usine. Nous pourrons parler avec Télémarque Pierre qui est même c'est porte-parole organisation ça, syndicale ça. Télémarque, bonjour. Oui, donc nous annonçons un arrêt de travail pendant deux jours, 21-22. Pour qui ça? Bon,
le nouveau fédéré depuis le mois de janvier, nous avons un processus qui nous a fait pour nous parler avec différents espaces dans l'État pour que nous fixer ça le minimum par rapport avec l'ensemble de revendications que vous voulez ou bien. Et il n'y a pas jamais décidé de faire ça. Et c'est dans l'optique ça, nous avons lancé un mot d'ordre à un travail général dans la date 24 avril. Suite à l'ancien de lancé à un travail 24 avril là, il y a une directrice de travail là qui nous a rencontré, qui malheureusement ministre là, il était convoqué nous pour nos réunions, nous pas le ministre, c'est une directrice de travail là avec BMSC et BDO qui était là. Nous avons porté une revendication, nous avons dit mais qui ça envisage de faire. Et depuis là, nous n'avons pas demandé aucun feedback. Bah, évidemment, nous avons priorisé la question de révocation qui est faite dans différents facteurs. Nous avons dit IW, dans CISA, dans Palavarel, dans Premium. Pour que nous te. Allô? Oui, oui, je vais te parler. Allô? Oui, oui. Allô? Allô? Oui, ou l'entrée de marque? Oui, pour que nous te faire autant de voix, nous. Il n'y a pas de constat en charge, et c'est dans le ça, nous avons le gouvernement qui a annoncé qu'il va monter gaz, il va monter bordeaux, et courant sur nous, et nous dit qu'il faut que nous équipons un béton pour que nous fassions des voies, pour que nous fixions ça le minimum à 1000 gouttes pour PVC, sans augmentation de tarif sur Paladin, et puis pour Palman, augmenter barème abattement à 180 gouttes pour patron yo payer l'argent yo prend sous ouvrier qui yo déficit payer on a avec au Fatma pour yo réintégrer tout ouvrier qui yo révoqué habituellement et illégalement dans poste travail yo pour ministère affaires sociales mettre en application recommandation et BDOF qui fait sous cadre dans cadre d'évocation arbitraire qui était fait qui est jugé qui est illégal et arbitraire et au thème de réintégrer mon yo et on compensation pour tout le temps on fait des yo et c'est dans l'optique ça je dis à et nous lancer des journées mobilisation à le travail général dans l'usine textile pour forcer le gouvernement fixer ça le minimum là à 1000 gouttes pressé sans gratter tête et pour que vous passez mes tours dans la question CSS là, son CSS Champrel qui va répondre à l'attaque et la loi dit et c'est pour cette raison ça que nous avons lancé des journées et mobilisation c'est le 21 avec 22 mai qui a venu là. Tout ouvrier, ils ont déjà mobilisé. Au contraire, c'est pas nous qui prenons devant pour annoncer. C'est ouvrier qui demande nous, comme si mettez bâton dans le syndicat pour que nous lancions des journées avec travail ça. Sous la pique, à fou, aux aéroports, tout le monde mobilisé. 21 avec 22, n'a pas pris la rue pour faire le gouvernement entendre voir nous pour que même gens, l'année dernière, nous avons pile de temps. Année sans qu'on a répété parce qu'il faut que le gouvernement ait voilà, ils ont fixé ça. Alors, ce sont des manifestations de Balfen, parce que c'était à travail, ça veut dire que l'employeur est prêté sous place, mais il n'y a pas de travail. Donc, c'est dans la rue à pied. Trois ça, pas même besoin qu'il y ait un monde qui a pas de travail, n'a pas prêté, n'a pas rassemblé devant Patrick Napier pour que nous allions dans un point où il y a pour nous aller devant le ministère des Affaires sociales, pour nous aller devant Balea, pour nous aller devant le Parlement, pour nous porter les revendications. Une démarche légale, nous faisons déjà. Toutes les démarches légales que nous avons fait, nous avons fait, et nous avons en cours déjà, et pour ce processus-là, nous-mêmes, c'est syndicaliste, nous connaissons ça la loi dit, nous avons pris toutes dispositions pour nous faire ça pour nous bien, pour nous régler, pour et tout à fait nous légal. Voilà, merci un peu, Delemac Pierre. Merci, Kevin. Voilà, on a rappelé aussi porte-parole et plateforme syndicale usine textilio Placide Beau. Dans quelques minutes, Gary, nous pourrons parler avec représentants association famille et policiers qui victimes en fonction, yo, avec union famille policiers victimes en fonction. Alors, deux organisations de famille policiers qui mourit et qui a plaigné pour traitement, yo, recevoir le, il a cherché échec Mario et, yo fait qu'on est, yo, dans une situation difficile, yo, pas qu'à payer l'école, yo, pas gagné accès à soins de santé, tout ça, alors que Mario, papa yo, tape travail pour payer, hein, papa yo, Mario, frère yo, mourir, dans la fonction yo, et que je dis à traitement, que yo même y a pour se voir comme, famille, pas digne pour, contribution, engagement, et Mario, t'es baillé dans la police nationale là, donc,
que l'a gagné pour nous recevoir tout à l'heure, représentant organisation Sayo qui a plaidé à cause traitement yo recevoir bon côté responsable la police donc il dit chaque fois monté en roi donc yo pas qu'à joindre chèque Mario donc, en tout cas c'est ça yo fait qu'on est la petite conversation de guerre avec eux nous pourrons parler avec eux tout à l'heure pour une capable babayo possibilité pour yo expliquer difficultés et à rencontrer depuis la mort Mario donc pour ça qui madame policier oui n'a pas le recevoir tout à l'heure mais entre-temps ben nous aller Arcayen avec fête drapeau avec l'université hein, qui c'est pas le vendredi 18 mai mais avant d'être ça gagné une délégation qui était en tête les premier ministre Jacques Guy Lafontaine qui était dans la commune Arcayen à Cabaret oui ils ont visité